Et salut les gens, c'est UMD, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, ça y est, enfin pour Kena Bridge of Spirits. C'est le premier et c'est le nouveau jeu, et bien de EMBER Lab, voilà, petite blague, petit calembour, qui sont normalement, et bien, qui est normalement une société qui fait des courts-métrages, voilà, donc ils sont habitués à l'animation, et donc ce Kena Bridge of Spirits à cet héritage un petit peu de film d'animation. On va voir un petit peu ce que ça vaut. Je vous propose de le débuter ensemble. On va le mettre en guide des esprits pour l'instant. Et on débute Kena enfin ensemble pour voir ce que ça donne. J'avais hyper hâte de le débuter. Soit dit en passant, le jeu sort sur PS4, PS5 et PC, Epic Game Store. Et il sera disponible en boîte sur PS4 et PS5 à partir de novembre prochain. C'est proposé par Just for Games, les boss de Just for Games qui le proposeront du coup en version boîte. Bref, je vous laisse avec le début, cette espèce de cinématique qui va être derrière. Et nous, on prend le gameplay derrière. Pour activer l'impulsion. Wow. Oh là. Bande son. C'est joli ça. Mettez des écouteurs pour suivre cette aventure. On a un mode photo. Et mais visuellement. Ah bah tiens, excellent. C'est vraiment impeccable. Le jeu n'est pas dispo en VF, c'est en VOST pour info. You know nothing of suffering. This is my home, my village. Turn back, spirit guide. Oula. Alors R1 pour attaque légère, R2 pour attaque lourde, ok. Si j'appuie sur le R3, je peux le loquer. Eh, c'est hyper clean hein. La musique. Apparemment.
J'ai reçu 10, 10 trucs. Je me mets là, peut-être. D'être dans un... Ouais, dans un Pixar, en fait. J'ai l'impression d'être dans un Pixar. Hi. Oh, it's all right. What happened here, little guy? Cherchez plus de routes aux alentours. Ah, ça fait un double saut déjà. Ok. Oh, c'est tellement joli et tellement propre. Eh, la DA. Alors déjà, le caractère design des personnages, c'est totalement validé. Mais alors, la DA est vraiment hyper magique. Hein, est vraiment belle. Et enfin, la musique...
Ah, il y a une plateforme là-bas. Je peux nager? Bien sûr, je peux nager. C'est vraiment très très clean. Voilà si c'est un effet sous l'eau ou pas. Si un peu hein. Alors, au niveau des sensations de la DualSense, bon, le jeu a été développé de façon pour PS4, PS5 et PC. Donc, il n'y a pas de sensation, précise pour la DualSense. Il y a quelques vibrations un petit peu sympas, mais c'est pas transcendant parce que, bah, de toute façon, le jeu, je vous dis, il est développé pour PS4, PS5 et PC. Donc, très certainement d'ailleurs plus tard pour Xbox, etc. Mais interagir avec le ROT, excellent. Éternuer, bisous. Fais un bisou. Danse pour voir. La musique elle est parfaite derrière. Caché dans le coffre, le petit malin. Oh là là. Les robots désormais effectuent plus d'actions. Ok. Carré pour lancer des robots sur des objets d'environnement. Ok. Attends. On a des menus ou pas? J'ai pas accès au menu, quoi que ce soit. Pour l'instant, peut-être. Y a pas un truc que j'ai oublié? Attends. En bas à droite. Là. Ah non, je pensais. Oh, c'est tellement clean comme jeu, c'est fou. T'as vraiment l'impression de te balader dans un Pixar. Je sais que je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment ça en fait. Thank you.
Tu vois, là, j'ai des petites vibrations dans la manette, par exemple, quand elle se baigne, mais c'est pas transcendant, quoi. C'est des petites choses, hein. Les gouttes de courage peuvent transformer à travers le monde. Restez les gouttes de courage, propulsion. Les rods sont prêts. Lancez le dosage d'environnement. Okay. Maintenez L2 pour viser, pour immobiliser vos ennemis. Ah ouais, pas mal. Ah, ça peut servir sur des gros combats, ça, je suppose. Par contre, il faut que je le recharge, vous voyez en bas de l'écran à gauche, la petite jauge dorée. Ok, c'est bon. Je pourrais le mettre là, vas-y, go. La musique dans les combats, elle est parfaite. Hein. Elle est parfaite. Hein. Si vous prenez ma chaise aussi. Ah ouais, c'est un objet, elle, ok. Tiens, c'est quoi ça? Vas-y. Ah, ça me donne de... Je sais pas, ça me donne un truc en haut de l'écran. Genre c'est marqué 30. Je sais pas, on verra. Okay. Ah, ça me donne. C'est pareil, ça me donne des petits trucs. Je sais pas ce que c'est. On verra après. Ah, il y a un truc là-haut. Là, il y a un truc là-haut. Ici, là. C'est quoi ça? Ah, c'est des cristaux. Okay. Ah, il y a des petits trucs cachés quand même. Ça sera tellement utile pour remonter après, je suppose. Heal these spirits and restore balance to the forest. I know you are kind. You sense the power that flows through this land, but you do not fully understand it. Oh.
This land can be healed, but you cannot stay here, Spirit. You must move on. You are the one who does not belong. I will never abandon my people. Oula. Je le sens mal, lui. Pousse. L1 pour utiliser bouclier, ouais. Ok. Il faut utiliser bon. Ok. Au bon moment pour parer les attaques. Ah! D'accord, je peux lui envoyer. Ok, j'ai ma vie qui remonte petit à petit, je peux envoyer ça là. Oh, c'est chaud. Par contre, pour la parade, je suis pas bon. Désolé si je tousse, je suis un peu malade en ce moment. Voilà. You can come out. It's safe now. Look, Sire, she cleared away the poison. The little guys can eat it. They love it. My name's Kana. What are you two doing out here, alone in the forest? Don't worry about us. We've been here a long time and take care of ourselves. I can see that. You both look very strong. Do you know who that spirit was, with the horned mask? We don't know, but when he shows up, the gross poison grows stronger. Hey, what are you doing here in the forest? I'm searching for the sacred mountain shrine. Can you take me there? If you want to get to the mountain shrine, you have to help us with something first. Our brother Tara was trapped deep in the forest. We need you to help him. Great idea, Saya. That'll be easy for her. Did you see what she did to that stick guy? Help us free Charles. Ils sont trop mignons. Edita. Ok. Our village is this way. Attends, je regarde s'il n'y a pas des petites choses ici. Ok, 8 rods trouvés sur 15 pour la prochaine amélioration, je suppose. Ah, attendez. J'ai accès au palais tactile. Amélioration. Tiens, amélioration disponible. En sprintant, je peux utiliser les petits symboles que j'ai récupérés, j'en ai 65. En sprintant, appuyez sur R1 pour effectuer une attaque circulaire rapide. R1 préparable pour effectuer une attaque virevoltante. On va attendre avant de dépenser quoi que ce soit. On va attendre, on verra. Je vais pas dépenser tant que je sais pas vraiment ce que c'est. Je crois que c'est des âmes, mais je suis pas sûr. Donc on va attendre un peu. Wow. Oh la vache. Carte disponible. Eh, ça a l'air d'être grand. Donc rappelons encore une fois, alors je le rappelle encore une fois quand même pour cette vidéo, nous sommes sur un jeu indépendant, c'est-à-dire que ce genre de studio n'ont pas le budget des gros studios AAA. Pour moi, les petits développeurs d'aujourd'hui sont les grands développeurs de demain. Sur cette chaîne, vous le savez, je vous présente énormément de jeux indépendants et on le voit sur ce genre de jeu.
des studios indés, c'est leur premier jeu. Dites-vous bien que c'est leur premier jeu. Et c'est pas une exclusivité PlayStation. Il sort sur Epic Game Store, etc. C'est une exclusivité console PlayStation pour l'instant. Il sortira ailleurs plus tard. Mais c'est fou, en fait. Il y a eu de la com qui a été aussi aidée par PlayStation pour leur sortie. Mais c'est pas un jeu PlayStation. Et c'est ça qui est génial à se dire. C'est que, en fait, c'est des studios indés. Et je suis content que les gens puissent... Enfin, que vous puissiez enfin voir des jeux indés parce qu'il y a de la com autour. Malheureusement, le problème des jeux indépendants, c'est que souvent il y a peu de com. Donc on fait des vidéos avec certains créateurs de contenu sur des jeux indépendants qui malheureusement n'arrivent pas forcément à autant briller qu'ils le devraient. Alors par chance, il y en a certains qui ressortent, comme Hades, comme Dead Cells, etc. Qui sont des jeux indépendants. Et puis il y a des jeux qui bénéficient d'une com toute particulière, comme Kena, parce qu'il sort au lancement de la PlayStation 5. Et heureusement qu'il sort maintenant, c'est très très chouette. Et il le mérite totalement. Mais c'est chouette que justement on puisse mettre en avant un jeu indépendant comme ça. Oh, c'est tellement joli. Ah, le village. Mauvaise posture. Hein. T'as la musique. Sanctuaire des eaux dans la forêt oubliée. Ok. Là, j'ai des petits battements dans la manette. Que je l'explose les trois pour ouvrir la grande flèche. Oh, j'adore. Chariot de chapeau. Ok. Générer du karma en vacant des ennemis. C'est du karma. Je pensais que c'était des âmes. Trouvant des fruits pour nourrir, utiliser du karma à partir du menu pour améliorer les compétences de Kena. Ok. Maintenir R2 et carré pour créer un marteau. Je peux pas pour l'instant, il m'en faut 100 de karma. J'en ai pas suffisamment. Ça, c'est quoi ça? C'est un rod supplémentaire. Nouveau chapeau, chapeau champignon trouvé. Ok. Salut. Salut toi. Qu'est-ce qu'on a par là? On a rien de... Attends, j'ai des coffres là. C'est quoi ça? Chapeau de trèfle, trop mignon. Chapeau pot. Attends, c'est quoi sa boutique? Ah, il m'en faut 10 pour lui mettre, genre acheter. Et je les ai déjà en fait. Mais j'ai déjà mis. Ah ouais, ok. Je lui ai déjà mis. En fait, il faut que je paye avec mes cristaux. Tout ça. D'accord. Ah, salut. Ah, tiens. Ok. Bon, les cristaux servent à personnaliser nos petits rots.
peut-être. Je ne sais pas. Ils sont trop mignons. Ils sont partout, en fait. Mais ça a l'air grand, quand même, non ? Ça a l'air grand, hein ? Pour plus tard. Here. Ah, des trucs à manger. Cool, 80. Il m'en faut, on a dit combien ? 100 ? Coffre maudit, 22. Ok, je suis génial, encore. Ouf. Ah ! Attends. Hop là, désolé. Ok, il en reste 4. Ça c'est fait 90. Dès qu'on a 100, on essaie de prendre la nouvelle capacité, du coup. Ah, ça, c'est des cristaux aussi. Faut que je pense à le faire. Ah, c'est une fois. C'est un coffre, ça? Non. Si. Ah, si. Je sais pas trop à quoi ça va nous servir, tous ces cristaux-là. Il y a un truc à l'intérieur, là. C'est une feuille, une fleur. Je peux rien faire pour l'instant, j'ai l'impression. Tiens, là il y a un truc. Ah là tu peux te faire un truc là. C'est quoi ça? Je sais pas. Aucune idée pour l'instant. Je ne sais pas. Peut-être plus tard. Sûrement plus tard. Oui, sûrement plus tard. Bon, on va aller au sanctuaire du coup, ça doit être ça. C'est quoi ça? C'est téléporté. Ah, ça va être des points de téléportation, très bien. Ok. Oui, téléporté. Ah tiens, regarde derrière. Attends. Ah, c'est pour qu'ils les mangent. Mais attends, c'était... Ah zut, pourquoi ils viennent pas? Ils sont où? Ah, ils sont là, c'est bon. Allez, mangez, mangez ça. Voilà. Ça n'a pas donné grand chose, j'ai l'impression. Seem quite fond of you. They're usually timid. Something tells me you did not come to our village looking for forest creatures. Hello, spirit. I seek passage to the sacred mountain shrine. Our village is bound to the shrine's energy, but that power faded long ago. Trapped spirits linger here, tangled in the tragedies of our past. You must help these spirits if you wish to reach the mountain shrine. On my way, I met two children. They asked me to help free a boy named Taro. I'm not surprised that Benny and Saya found you. They are clever children, and would do anything for their brother. We have always crafted wooden masks to honor those who have passed on. Placed here, the masks slowly turn to dust,
aiding the spirit's journey into the next life. My father was a spirit guide. Our traditions are different, but he helped many spirits pass from this life to the next. So you know what happens to spirits unable to move on. Take Taro's mask. It is bound to his spirit, and will help you fulfill your promise to the children. Look after Benny and Saya. Their brother's fate will be difficult for them to understand. Masque de tarot. Au travers de ma masque, trouver les chemins vers la barrière. Oh, c'est amusant. Oh, vous savez, ça me fait penser à Zelda Majora's Mask. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, Ember Lab, donc là, le studio qui est derrière ce jeu, là, qui est là, ils ont fait un court-métrage sur Zelda Majora's Mask. Donc c'est amusant de retrouver quelque part des trucs avec des masques dedans, parce qu'ils sont habitués, en fait, au jeu avec des masques. Donc je trouve ça très drôle. Ce sont pas des gens qui sont loin de tout ça, bien au contraire. Qu'est-ce qu'on a par ici? Ah, il y a un point bleu là-bas. C'est quoi ça? Trace de pas là, rien. Non, si, regarde. Regarde ça. Hey there. Salut. Ouais, alors par contre, à mon avis, je passe pas. Hein. Je peux le tenter, mais j'y crois pas du tout. Ouais. C'est évident. Plus tard. Là, peut-être de là-haut. Ah, peut-être. C'est quoi ça? Ah, ça, bon, là, ça serait un truc à détruire, ça, c'est sûr. Pour empêcher la source. Et si je saute d'ici, ça passe? Non. Non. Pas du tout. J'aurais tenté. Voilà. C'est la deuxième fois que je vois ce truc-là. Pour le déplacer ce truc là. Attends.
tiens, ici. Mettez-moi ça là, s'il vous plaît. Ok. Je peux rien faire pour l'instant. Ah, tiens, c'est quoi ça? Interagir. J'ai trouvé quelque chose appartenant à un village ou apportez-le à sa maison du village, parce qu'on est marqué sur votre carte. Très bien. C'est mission secondaire, ça? Ah, tiens, ça doit être ça, c'est orange. Pareil. Ah, c'est ça, c'est des petits trucs annexes. Cool! Est-ce que je vais platiner le jeu? Oui, je pense que je platinerai le jeu. Oui. Oui, oui, je pense que je platinerai le jeu parce que. Bah, parce que j'aime beaucoup pour l'instant, donc y'a pas de raison. Honnêtement, voilà, le jeu dure approximativement, apparemment, entre 10 et 12 heures pour le principal, et pour tout faire, 14 à 15 heures. Donc honnêtement, oui, ça me donne envie de platiner. Voilà, le jeu n'est pas trop long, je trouve que c'est une bonne durée de vie. Donc oui, moi ça me convient. Pour tout faire, ouais. C'était quoi le truc jaune hein? Ah là-haut, là. Ah, peut-être que je fasse ça sur toutes les maisons du village en fait. Hein. Ah, pour faire passer son âme. Oui, je suis une passeuse d'âme. Hein. J'ai aucune idée de ce qu'on fera avec tous ces cristaux qu'on a là. Ça nous a débloqué ce petit truc ici. Tiens, c'est quoi ça? Allez, viens là, toi. Viens là, petit bout. On en est à combien d'ailleurs? On en est à. On en est à 11. On est à combien d'âmes? Ah, mais 125, attendez, j'avais pas vu ça, regardez. Ça, ici. Rot. R2 plus carré. Je vais le débloquer. Oui. Et là, il me faudra quoi? 50. R2 plus carré. R2 carré. Ah, pas mal! Ah oui, sympa, effectivement, ça a l'air d'être assez puissant quand même. Cool. Donc pour pouvoir trouver tous les petits bouts, de toute façon, il faudra faire toutes les missions de... Oh. Tous les trucs avec tous les villageois. Nouveau chapeau rot. Vous avez des peluches, alors il en reste pas beaucoup sur le site de Humberlab, et vous avez des peluches de ces petits personnages qui sont dispo sur le site. Je crois que c'est 18$, après voilà, il y a les frais de port et tout, mais il faut pas ça, au sud ou un peu. Je sais que merci beaucoup au studio qui m'a envoyé le jeu, puisque c'est le studio Humberlab qui m'a envoyé le jeu. D'ailleurs, on avait souri autour du fait que mon nom EMB qui est mes initiales ressemblait beaucoup à Humberlab. Voilà, on avait souri par mail. Et ils m'ont envoyé aussi des petits goodies du jeu. Donc j'ai hâte de les recevoir. Je vous présenterai ça quand je les recevrai. Mais c'est trop cool, merci beaucoup à eux. D'ailleurs, petit studio indé comme ça, ça fait tellement plaisir. It went through here, but we can't get past. There's more of that nasty stuff blocking the path. Can you get rid of it so we can get through? S'en débarrasser, bah alors je peux pas. Ah, il y a des ennemis, c'est pour ça. Ouf, ah oui, d'accord. Ah, il a un bouclier lui. Attends, je peux casser le bouclier? Ouais, attaque puissante pour débarrasser le bouclier. Attends, je vais essayer un truc. Je vais essayer un truc. Attends, je vais essayer l'attaque que j'ai. Ah, je peux pas, j'ai pas assez de... Là, maintenant je... Excellent! Alors ça, c'est de la vie, apparemment, mais je peux pas non plus, pour l'instant. Oula. Calmez-vous les gars, calmez-vous. C'est quoi ça? C'est un petit coup là. Oh, c'est joli. Ah,
Ah mais c'est ça le truc qu'on a vu tout à l'heure. Espèce de fleur. Les larves de la forêt restaurent temporairement les rottes à leur état d'origine. Cette forme, les rottes peuvent attaquer les ennemis, détruire les barrières et dégager la corruption. Look, Kana, I know what that is. It's a forest here. Attends. Whoa, bah attends. Look what happened to the rot. He's so cute. Je peux les amener là-bas ou pas? Je peux pas. Ah si, il passe. Ah non, ça fait rien. Bon, bah ça fait rien ici. Ça doit être après. Je pensais. Ah oui, d'accord, là-bas. Excellent. Ok. Attends, il y avait un truc ici, je l'ai vu. Voilà, merci. C'est quoi là? Il y a forcément un truc là-dedans. Attends, il y a forcément un truc là-dedans, c'est sûr. Je le savais. Tiens. Je le savais! Ah bah attends, ça doit être ça d'ailleurs. Look at it. Il y a pas genre quelque chose derrière la cascade par hasard? Non. Je le tente quand même. Alors. Ok, donc si vous me prenez ça, allez me le déposer là-dessus là. Ici, là. Vas-y. Qui a pas été détruit hein. Ça a pas été détruit ça. J'espère que ça cache des trucs en fait, c'est ça. C'est jamais. C'est derrière, non? Ah si je mets mon masque. Faut que j'y pense en fait, je pense pas à mettre le masque. Si je me mets là, on va voir. C'est très très bien foutu. Je peux me téléporter au village, c'est ça? Cool. Et des tarots, trouver tarots dans la forêt. Ok, ça va être là-bas. Oula, je le sens mal. There's more poison ahead. Ok. Ouais, je le sens vraiment mal là. Ah, je peux m'en occuper, je peux m'en servir pour les attaquer. Tu vois? Excellent! Ah, pas mal ça! Oh, sympa! Okay.
J'adore ce truc. On a eu raison de prendre cette amélioration, elle est géniale. Oula, oula, oula. Faut vraiment que je pars au bon moment là, je fais n'importe quoi. Attends. Ok, c'est bien. Chercher votre frère, les gars. Ah, il va être par là, regarde. Il est où? Là. C'est qu'on est à 13, 14 sur 15. On est à combien là? Salut. Ah, on est à 13. On check un peu quand même dans l'environnement s'il n'y en a pas d'autres ici. Tiens, il y a un autre truc à détruire ici, regarde. Si, il doit y en avoir un autre là, c'est sûr. Il doit y avoir quelque chose, c'est sûr. Allez, vas-y, venez, les gars. Allez, venez! Allez, détruisez-moi tout ça. Il y a un coffre déjà. Oh, mignon ça! C'est tout? Attends. Ah non, c'est tout. C'était juste un petit chapeau. Bon, là, il doit y avoir un trophée, je suppose, à la fin pour trouver tous les chapeaux. Tous les petits chapeaux. Ok. Bon. Oh, des visuels! What did you see when you put on Taro's mask? Taro is here, but he's forgotten who he is. We need to find 3 relics to help him remember. The forest is huge. How do we know where to look? Maybe Mr. Russo can help us. His house is up that way.
Eh bien écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette découverte qui sera le premier épisode finalement du Let's Play, parce que le jeu me plaît vraiment énormément, tant en termes de direction artistique que de musique, que de caractère design, enfin les caractères design, c'est-à-dire les personnages du jeu, regarde comme ils sont trop mignons, regarde-les. J'aime tout pour l'instant, je n'ai rien à dire pour l'instant. Peut-être un petit peu rigide sur les combats, un petit peu, mais pour l'instant c'est du très bon et j'ai hâte de faire la suite de ce Kena. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas que la suite se passera sur EMB TV, c'est-à-dire la chaîne secondaire, la chaîne où il y a les rediffusions des streams, et bien évidemment, la suite se fera en stream aussi dès cet après-midi d'ailleurs, soit dit en passant. Donc, merci à ceux qui auront suivi ce premier épisode, et j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que ça sort en boîte en novembre sur PS4 et PS5 grâce à Just For Games en France, et ça c'est trop trop cool. Bref, des gros bisous, prenez soin de vous, sortez couverts, en espérant que cette première vidéo vous a plu. C'était EMB, salut salut.